Donc, on était dans le cimetière la semaine dernière et on faisait des choses. Dans ce cimetière-là, il y avait des trucs à voir, comme beaucoup de choses. Je vais laisser pour l'instant le HUD et je vais l'enlever après, si ça vous dérange pas. Pour voir le son. Hop. Donc oui, on faisait des choses la dernière fois. On avait trouvé le cimetière parce que le cimetière, on savait pas exactement où il était. Je sais toujours pas où exactement où il est, mais bon, voilà. On est dans la phase où on s'est fait défoncer à coups d'une grosse épée. On avait bien avancé en fait la dernière fois, on avait fait tout le tour, on avait débloqué un raccourci de mémoire. Et ce raccourci nous avait aidé à faire l'aller-retour avec. Qui est ici d'ailleurs, c'est pas ça le raccourci hein? C'est possible. C'était ça le raccourci, je sais plus. Non, c'était pas ça. On avait trouvé un moyen de pouvoir aller directement de ici à. Bah, ça doit être par là. C'est ça le raccourci, je sais plus. Non, ça c'est le marchand. Qu'est-ce qu'il nous vend, le marchand déjà? Je sais plus. Que des... Ah bah on peut acheter des pièces. Bon, ça coûte cher les pièces. 1888 à claquer. Et quelques. 2000, hein, quoi. Moins 2. 1988, du coup. Moins 2. 98. Et on était dans le cimetière. On était passé par là. Et voilà. Donc déjà, il y a tous ceux que j'aime pas. J'ai oublié les... Pas. Je ne veux pas de toi. En plus, tu m'enlèves ma vie. Quel enfer. Bah, prions. Ah, attendez, c'est joli. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Je répète, la porte est ouverte. Comment on va en bas? Ça a l'air bien en bas. Pour passer en bas, j'imagine. Ok. Bon, allez, on commence, le jeu commence. Je me mets en mode optimisé. Ah, donc on est à la cathédrale, ça y est. Alors, la cathédrale, on a la map. On avait fait plein de trucs la dernière fois. On va faire encore plein de trucs. Non, ça, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Du coup, on peut passer en dessous, là? Pour aller voir la tombe du héros? Parce que ce serait bien en fait de peut-être pas rester en bleu. Je veux juste voir si on peut y aller. Parce que maintenant qu'on est là, on peut faire 15 fois l'aller-retour. Parce qu'en bleu, on n'a vraiment pas de vie. J'aimerais bien savoir si on peut passer en dessous. Non, on n'a pas l'air de pouvoir passer en dessous, puisque c'est cassé. On peut le voir actuellement. Donc on va devoir débloquer ça, j'imagine. On va sans doute faire une pause aussi d'ici une peut-être 2 heures et demie. Le temps que. Oh non, c'est des mots méchants. Le temps que la manif commence et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, on va faire sans doute une pause à ce moment-là. Ça nous permettra de faire 2 VOD parce que j'ai un peu de temps. Je soupçonne que tu es méchant, ok? Bonjour, venez par ici. Non mais... Il m'a eu à mon propre jeu, mais ils sont pas touchés eux. Comment ça se fait? À mon propre jeu de carottes. Je suis pas d'accord. Ah. Donne-moi la thune. Voilà. Du coup, on va casser ça et ça.
Il n'y avait pas un truc là en haut? Non, c'est juste un reflet. Just a flesh wound. Non mais marchez comme des zombies, hein, moi ça me va. Ah oui, en plus vous prenez de la vie, mais pars, je veux pas. Ça, ça pue du cul, hein, les trucs roses comme ça. Hein. Enfin, violet. Ah oui. Il me tape et ça fait mal, quoi. Là-haut, là. Je te vois. Oh la patate! Du piment pour augmenter notre tabassage. On voit rien. Comme je l'ai dit ultérieurement, je n'aime pas ces animaux. Les corbeaux sont méchants avec moi. Donc on va faire ça. Hein. Mais vous êtes plein en plus! Non mais je vous aime pas du tout. Oh non, pas un derrière. J'aime pas leur game en fait, du tout. Qui est que à base de. Non, mais j'ai reculé, j'ai avancé. Je vais faire des ronds autour de toi. Rien qui va. Bon, là on avance, c'est un peu au pif. Hein. On se balade dans la cathédrale pour l'instant. Sachant qu'on a la map qui est ici. Et que nous sommes actuellement à 5. Donc je sais pas ce que veut dire. Mais on a l'air d'être au bon endroit. De la mana, trop bien. Bon là il y a deux portes. Est-ce que sur notre super truc ils nous disent oui bon quand t'as y a deux portes c'est bien. Non. Oui. C'est marrant d'avoir une map sur le côté cette fois-ci. En fait il faudrait traverser par là en bas, j'imagine. Mais là on est à 5, donc ça veut dire qu'on arrivera à 6, 7. Après il faudra faire 8, on descend.
La légende compte que ceux portant cette couronne deviennent capables d'incroyables prouesses. Bah, c'est très bien, on va avoir la couronne dans pas longtemps. Le but c'est ça. Bon alors du coup, est-ce que c'est par là? Non, j'ai pas envie. Et ici c'est quoi? Ah bah un raccourci, très bien. De toute façon, on doit descendre. Hein. On est d'accord. Je veux juste voir où ça va. C'est moi, il y a du mana dans les trucs de. Ah non, c'est les lampes, elles sont bleues. Est-ce que. Oui, voilà, c'est très bien. C'est très très bien. On reprend deux mana de la vie, tout ça, tout ça. De la bombe. Et on va reprendre notre, notre combo. Gagnant pour l'instant. Pour l'instant, on fait un run calme. Hein. Ça fait de 2 semaines qu'on fait un run calme. C'est plutôt cool. Ah, mais vous courez! Mais en fait, je vous aime vraiment pas! Non mais... LOL! Pars! Est-ce que je suis pas en train de me tuer moi-même? Donc ça, c'est vraiment les trucs les plus... Ah! Les trucs les plus nuls. Bon, ça veut dire qu'on peut l'éviter ici. Ça va être compliqué, je pense, d'avancer. Voilà. Ah. Donc, on avait vu que, en fait, ça, c'était les personnes qui étaient enfermées dans les rochers, là, les cairns. Ça nous permettait de sauvegarder notre vie. Donc, je sais pas ce que là, il est en... Il est dans un seul étage, je suppose. On peut vous parler ou pas? Le prier? Non. Ah, si, ça, il est intéressé quand je prie. Yael est intéressé plutôt. Ok. Donc nous sommes ici. Est-ce qu'on est sur la map? Oui, le 9. Sauf qu'on n'a pas vu le 8. Et là, on va arriver au 10. Donc du coup, ça veut dire que... Voilà, ça... Je pousse ou... Ou je prie? Je prie. Je vais prier. Pourquoi ça va fermer derrière? Quel est l'enfer? Ah, ça ramène... Oh, oh c'est sale. Ça ramène le truc, d'accord. Et du coup, je peux revenir en arrière, c'est ça. Ah! Mais vous êtes parti. Non, vous êtes parti. Bon bah écoutez, on va descendre. Hein. Mais tous les cadavres là, c'est compliqué. Hein. Après, on n'est pas dans notre forme vivante, non. On est dans notre forme fantomatique, donc normalement ça devrait aller. Mais bon. Genre. Ah, il y a une sorte de tentacule. Ça va être une sorte de tentaculaire, hein, j'imagine. Ça, c'est Cthulhu! C'est Cthulhu! J'ai vu l'image. Vous avez vu l'image ou pas? Le but, c'est pas de perdre de masse de vie, là. Ça serait bien. Est-ce qu'il y a des choses là? Non. Je suis pas rassuré. Je ne suis toujours pas rassuré. C'est que des cadavres.
Il y a une sauvegarde et on doit descendre. Donc j'imagine que la sauvegarde, par contre, c'est juste parce qu'on a passé un truc. Bon, alors, en regardant la map. On est ici. Remarquons qu'on n'a pas, on n'est pas descendu à 6-7, hein. 6-7, on sait pas ce qui se passe. On va aller voir juste vite fait 6-7 pour aller à 8. Maintenant qu'on a fait ça. J'ai du mal à capter. Oh non, mais pourquoi vous êtes là? Ah oui, parce que j'ai relancé le truc. Est-ce qu'on est, au bon endroit là? Oui, on est à 6 là. Et apparemment, il y a un trou quelque part. Là, c'est une sorte de truc à actionner. Vous êtes des, vous êtes un zombie. Laissez-moi tranquille. Ça, c'est pas un truc à actionner, ça? Si. C'est la même chose que ça, pourquoi je peux pas appuyer? En tout cas, j'ai vu, il y a un truc. Ah là, on est déjà derrière. Attendez. C'est-à-dire qu'au fond de ça, là, il doit y avoir un trou quelque part ici. Parce que là, regardez, on peut aller en dessous, en fait, hein. Allez voir 7-8. Moi je vais aller voir 7-8 là, il se passe quoi dans 7-8? Est-ce que c'est derrière ça là? Non. Mais je suis... En fait c'est mon game à moi, j'ai l'impression de jouer. Est-ce que c'est là? Non. Parce qu'on a... on arrive à 4 là. Est-ce que cette 8 c'est en haut? Ah, il y a une sorte de porte là. Oui. C'est peut-être après, hein. Parce que là, on peut pas ouvrir, on peut pas appuyer sur le bouton, donc je sais pas. Là, on est où là? Sur la map? Ouais, on est là. Ok. 7-8, j'imagine que ce sera peut-être au retour parce qu'on doit descendre et après on peut peut-être faire quelque chose par là. Bon, bah on va faire ça. Hein. Non, en fait, ils nous disent là sur le côté, ils nous disent les choses, mais 6-7-8. Bon, j'ai vu que Sean avait essayé de traduire, Sean Vidéo avait essayé de traduire, on peut traduire apparemment les textes. Suite à ce que j'avais dit sur le fait qu'on pouvait facilement sans doute le faire, mais est-ce que c'est vachement intéressant? Je ne sais pas. On en avait parlé avec cette grossophobie la dernière fois. On va voir. Il y a un trou en haut aussi, j'ai l'impression. C'est pas un trou, ça? Il se va de trou? Oui, c'est un trou. Ah, mais c'est le marchand. Bonjour, le marchand. Est-ce que tu veux me vendre des choses? Que je claquerais dans ça? Pour. Après, acheter des pièces, c'est vraiment. J'arrive, je roule sur tout le monde. Si j'achète des pièces, je peux avoir encore moyen de placer quelque chose. Ça peut être intéressant, parce qu'il me propose des pièces en soi, donc. Peut-être à cause du fait qu'on est dans le cimetière. Ah, c'est un boss. Mince. Mince alors! Ouh là là, il y a des gens avec des faux. J'espère que c'est pas un boss multi-combat. J'espère que c'est vraiment le tentacule man. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bah oui, bonjour. Je veux me battre contre ça, voilà. Je choisis, c'est ça? Oui, apparemment. Oh là là, oh là là. Oh là là. Mais protège-toi! Voilà, en fait, il y a un moment, il a gardé la baguette et il voulait pas se protéger. Donc je surkiffe ce jeu, sachant que j'ai nettoyé en plus ma manette, ce qui veut dire que... Ah.
Ce qui veut dire que normalement je suis plus efficace. Mais ce n'est pas forcément le cas. Bon là du coup on va avoir exactement ce que je redoute, c'est-à-dire un système d'arène. Donc, tant qu'à faire, on va checker tous les gens. Hein. Donc, qui c'est que j'aime vraiment pas? Il y a de la vie déjà, c'est bien. Qui c'est que j'aime vraiment pas? Eux, je les aime pas. Mais en fait, c'est plutôt pas trop compliqué. Il faudrait qu'on commence par quelqu'un qui est vraiment chiant. Genre, toi, t'es vraiment chiant. Donc, on va commencer par toi. Ah, t'arrives en plein milieu. Lol! Ah, mais c'est juste les robots! Ah. Écoute. Ah, il y en a plusieurs. Aïe aïe aïe. Et ça grossit. Et ça grossit. Ah oui, non, mais c'est vrai que j'ai pas toute ma vie, donc je suis en mode galère. Là, logiquement, j'ai plus de mana, donc du coup, on va devoir se faire les gens qui peuvent m'en ramener. Lui, eux, ils me ramènent pas de mana, mais je pense qu'ils vont arriver à 90 millions, donc voilà, c'est cool. Amène ton pote. Eux, je peux les stun vite, donc ça, c'est pas trop un problème pour moi. Voilà. Ça, je prends pas de coups, normalement. Pas trop... Ah. Là, c'est un autre game. LOL. Ah! Vous êtes plusieurs. Ça m'intéresse. Ouh là là! Attendez. Attendez. Attendez, je fais du menuing. Est-ce que je peux faire du menuing? De la vie. Merci. Oh là là. Oh là là. Mais en fait, j'ai juste à les bourriner. Qu'est-ce qui se passe dans la ville là? Pourquoi je peux... Pourquoi j'attends? Oh là là. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai attendu. Je sais pas. Excusez-moi. Hein. Aujourd'hui, j'ai attendu. J'enlève l'aperçu. Comme ça me permet de voir ma mort jusqu'à la fin de ma vie. Ah là 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 là. Débordé. On va prendre les grenades pour... En fait, c'est ça. On fait du mining pendant les pauses. Ouais. J'avoue que je me rappelle plus comment ils jouent les gens du feu, donc... Ramène ton cocotte. Là, j'ai appuyé pour courir, hein, par exemple. Lol. Donc là, par exemple, j'ai un peu de vie en moins. Donc je prends mon petit truc. Je m'équipe de ça. Et normalement, on pourrait faire quelque chose avec eux. Je sais pas si c'est les mieux, vraiment, en deuxième. Hein.
Ok. Amenez-vous ensemble. Voilà, merci. Voilà, au revoir. Ah, il a pris la... Il a pris la def. Damn. Eux, faut que je les contre, mais en fait, j'ai pas envie. Pas. Voilà. Voilà. Ok. J'ai utilisé trop pour ça. Ensuite, je crois que eux, ils sont chiants. Eux, ils sont chiants, ils attaquent vite. Eux, c'est ceux qui sont invisibles, je crois. Eux, ils peuvent perdre vite si je prends le... J'ai du mana, là. Ouais, ça devrait aller. On va essayer de faire ça. On va faire ça. Ah, j'avais oublié... Oh non! Ah oui, c'est ceux qui se téléportent. Oh là là, quel enfer. Et après, ils se tapent au corps à corps quand ils sont trop auprès. Ça, encore, ça peut aller. Hein. Voilà. Ça, ça va en fait. Je pensais qu'il donnait de la vie de quelque chose, mais il donne rien. C'est vraiment des rapiens, hein, sur le coup. Bim! Du coup. Eux, ça va. Ah oui, c'est les batraciens, donc eux, ils viennent me chercher. Eux, j'ai besoin de vie par contre. Parce que je. je me rappelle plus comment on fait. Par contre, eux, c'est. Ah mais non, ça, c'est les squelettes. Ok. Tant qu'ils sont pas beaucoup, ça va. On va faire un petit menu vite fait. Excusez-moi, bonjour. Un cadeau. Ils sont énormément. Ils sont énormément. Non mais en fait, faut savoir gérer votre nombre en fait. Ah ouais. Non mais en fait, c'est infini votre truc. C'est bon, vous êtes tous là? Ça sert à quoi? Ah, il y a un grand. Super, j'adore. Wouah. Ouh là là, ouh là là. Donc eux, ils sont trop. Il faut vraiment les faire en deuxième. Oh là là, ils sont vraiment trop trop. Même si je le fais de manière sympa, c'est compliqué. Peut-être voir ce qu'on peut augmenter. On va augmenter nos trucs. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, ça transforme tout. Ça me permet d'aller plus vite, je crois. On va faire ça pour voir. Je crois que ça augmente mon nombre de vies. Attendez, on va checker ça tout de suite. Chalice chanceux. Ouais. Gemme d'or. Ça augmente quelque chose. La gemme d'aura, ça écotonitruant, ça permet d'exploser plus. Plus de bombes, peut-être. Clochette de discrétion, je suis un peu plus discret. Bracelet de cheville, je pense que ça me permet de me déplacer vite. Teinture, ça augmente mon attaque, ça baisse ma défense. Écho magique, je sais. Ah, c'est peut-être parce que quand on récupère, on a que de la magie. Ça peut être intéressant, ça. Parce qu'en fait, c'est ça qui me manque plus. Donc, on va voir. Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, j'ai besoin que quand il pose des trucs, de la magie, quoi. Ah, je l'ai pris. Excusez-moi.
Mais je l'ai pris là aussi. Mais quoi? L'autre, il apparaît en temps. Ah, c'est un temps. Donc en fait, le truc, c'est par exemple, tous les squelettes, en fait, je peux le faire d'un coup. On va faire les squelettes en premier, hein, si c'est un temps. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut optimiser, c'est le temps. Donc, tout ce que je ne sais pas faire. LOL. LOL. MDR. Donc j'arrête de dire tout ça, en fait. On va le défoncer tout de suite, hein, parce que je suis désolé, mais si c'est du temps... Là, je me suis protégé. Oh là 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 là. Déjà qu'en bleu, c'est une galère. Mais en plus, il y a l'autre qui arrive. Ah non, tu ne mourras pas comme ça. Ah, il avait préparé une... Mais vas-y, tu veux que je fasse quoi? Tiens, tiens. Je suis dégoûté. Je suis deg. Bon bah du coup on va faire les squelettes, hein. On va tenter les squelettes. Ils sont tellement nombreux. Oh là là. Oh là 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 là. Tu veux que je fasse comment, hein? J'en ai fait pas mal. On va faire les squelettes direct. Ça a pas l'air d'être très transcendantal non plus. Est-ce que ça augmente mon déplacement? Parce que ça serait pas mal d'augmenter mon déplacement. Est-ce que je pourrais... Est-ce que ça me servirait de geler quelqu'un? Je sais pas. On verra. On verra après. Parce que le menuing, ça peut être intéressant pour geler les gros, les grands, les forts. Après c'est on est enfin pour moi ça me paraît c'est pas le plus dur je pense clairement parce qu'on connaît tous toutes ces phases. J'étais pas bien protégé. Vite, vite avant qu'il arrive. Ok. Viens. Et la protection, genre je me suis pas protégé là. J'ai pris le premier coup, je me suis dit c'est gratuit, je prends. Merci, au revoir. La protection n'était pas là. It seems so. J'arrive même plus à faire le premier. J'ai pu... Mais... Quoi? Où suis-je mort? Mes thunes? Je suis derrière, là? Je suis derrière le truc? Voilà, merci. Ah, je l'ai pris au retour. Mince. Ça, j'arrivais jamais à le prendre avant. Et là, je le prends. Bah les squelettes. Hein. En fait, si j'arrive à faire ça, je pense que le reste, ça peut aller. Mais le...
En fait, j'ai encore peur des... Je les envoie trop loin, en fait. Ouais, je prends des coups, je le sens même pas. C'est nouveau, ça. Là, je prends des coups, je le sens pas. Quel enfer. Pars, toi. Je veux pas te voir. Ni tes potes, d'ailleurs. Il va me taper. Ok. Je sais pas, assez de vie, on va essayer. Est-ce qu'on peut demander de la vie? C'est très gentil de votre part. Parce que logiquement, on peut faire tout ça tranquillement. S'ils arrivent pas à 90 millions, ça va. Parce qu'après, il y aura les gens qui viendront me chercher, donc j'imagine bien. Voilà, il y aura exactement. Exactement. Ah, il y a les... Ah oui, quand même, il y a les... Ceux que j'ai essayé d'éviter tout le temps. Tiens, cadeau. J'étais gelé. Ah, c'est magnifique! Magnifique le game! Magnifique! Ils sont trop, ils sont vraiment trop. Ok. Je veux juste lui là. Ok, toi tu veux te battre avec moi, mais j'ai pas envie en fait. Voilà, lui. Parce que je veux pas qu'il y ait un mec qui se balade avec moi. Hein. Merci. C'est bien, on peut faire du menuing pendant qu'ils sont loin. Ah oui, c'est vrai que du côté de. Côté de leur bouclier, je peux rien faire. Il s'est endormi. Il s'est endormi tout seul. C'était marrant, ça. Je peux avoir de la vie en plus, c'est bien, ça. Et on va les bourriner. Alors eux, je peux les faire uniquement avec sans rien, donc on va faire eux. Ce qui serait bien, ce serait de faire ça. Mais c'est faisable, hein. Là on est bientôt à la fin. T'es le dernier, tu vas pas me faire chier. Merci. C'est archi faisable. On peut s'en sortir. Là, eux, je peux normalement le faire sans magie, donc il n'y aurait pas de problème.
Aïe, aïe. Si par contre, si on m'enchaîne, là, c'est pas cool. Là, je peux me en fait, je me déplace vite grâce au truc. Hein. Je précise comme ça. Mais non! Aïe, aïe, aïe. Ok. Du coup, j'ai de la vie. Et ça, c'est intéressant. Et je vais pouvoir me déplacer. Et ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il serait bien... je suis en train de réfléchir à comment je pourrais faire. Parce qu'en fait, là, il faudrait que ça soit ici. C'est mieux. Et là, je vais pouvoir bourriner. Bon, faut croiser les doigts parce qu'ils sont quand même chiants. Hein. Parce que eux, ils arrivent vraiment tous en même temps, je crois. Et ils arrivent loin. Oh mais j'ai rajouté un truc ou... Ah non mais c'est vraiment infini. Ah oui, c'est vraiment infini. Lol. Ils reviennent vraiment tout le temps. Lol. Mais je l'ai fait en un coup avec la magie quoi. Ce qui est pratique. Mais faut que je m'y habitue en fait, parce que si je m'y habitue pas, c'est compliqué. Parce qu'en fait je peux pas le faire, après je vais devoir me protéger. Hop, 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 hop. Et après on peut faire, ah oui on peut faire la technique du « tu te prends les coups des autres ». Voilà, ça c'est pas mal comme technique aussi. Mais tapez-vous entre vous! Oui, sympa un peu. Voilà, merci. Aïe. Aïe. C'est pas très compliqué en plus, c'est ça qui est ouf. J'ai galéré, mais pour pas grand chose. Du coup, où on a eu vraiment du mal, c'était avec les batraciens, les squelettes. On va faire les squelettes, hein, parce que on va faire les squelettes. Les squelettes, c'est chiant. En fait, c'est mieux quand ils sont pleins, mais... Ils sont chiants de ouf, hein. Cassez-vous. Ça c'est nul en contrôle. Alors que. Ah! Ah oui, c'était le gros. D'accord. Je me suis protégé aussi. Again. Bon. Après, c'est des gens qu'on rencontre assez souvent. Donc, ça c'est plutôt sympa. Si on peut se rattraper sur ce qu'on a fait. Se dire oui, bon, peut-être qu'on fait ça. Bon, du coup, les derniers, on va garder nos Starry en dernier. Non, mais... Le premier coup, là, il est dans mon cul. Pardon, excusez-moi.
Mais encore une fois, allez-y, mais je vous laisse tranquille, hein. Donc, cassez-vous. Je me protège pour rien. Oh, le grand qui m'a dans le dos. Quel enfer. Je prends de la vie, excusez-moi. Ok, eux ils ont rien. Enfin, lui il a rien, lui il a rien, et lui il a rien. Ok, mais ça va être fait, ça va être fait. Ils sont un peu... Ils sont pas rapides. Ça c'est pratique, ils sont pas rapides, mais après... Quel enfer, quand même, hein. Bah du coup, on fait les multiples en fait, hein. C'est mieux de faire les multiples. Il m'a dirigé vers son pote. Hein. Oups là. J'ai... Ce serait bien qu'il y en ait un de grand moins, s'il vous plaît. Voilà, au moins les petits, s'il vous plaît, merci. Il y a un grand, bah c'est bon. Ah, pardon. Ok. J'ai pas masse de vie, donc on va faire cela, pour être sûr. On peut faire la fin. Salut Millicote, ça va? On est dans les passages chiants. C'est-à-dire en mode Smash Bros. Et le premier qui tombe du terrain. Lol. Oh, avec votre défense là. Oh. Toi, tu dors? Mais reste dormir, s'il te plaît. Ok. Ok. Je l'ai touché, là? Il m'a touché, deux fois. Ça va, tranquille. Tant mieux que tu ailles super. On va sans doute faire une pause d'ici 1h20-30. Histoire de faire un petit topo 1er mai. Il m'a touché dans le dos, mais bien sûr. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Bon, maintenant, il nous faut de la vie, hein. Je dis ça, je dis rien. Il nous faut de la vie. Alors, du coup... Il y a deux choix. Soit on garde nos trucs, parce que là, il reste pas grand monde. On pourrait les faire, eux, sans vie, mais ça risque d'être chaud. Ou au moins avec ce qu'on a. Eux, on peut les faire, je pense, sans vie aussi, mais ça va être tendu aussi. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait que eux, on puisse les faire avec de la magie. Et le problème, c'est qu'on n'a plus de magie. Et ça, c'est un autre truc. On peut essayer de les faire aussi sans. Ce qui est plus compliqué. Mais entre les trois, ce qui va être vraiment compliqué à gérer en vie, c'est eux. Sachant qu'on peut demander de la vie, hein, là. Mais je sais pas si on peut l'activer pendant qu'on est en attaque. Donc, et si on faisait eux? Ah, je sais pas.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, j'ai un petit doute. On va faire ça. On va faire celui-là. Parce qu'ils sont que deux et je peux les gérer, je pense, si je prends pas de coups beaucoup. Stun! Non, toujours pas stun. Ah, ok, pas stun. Stun-toi, s'il te plaît! Non, il veut pas. Et il a dit que nique-moi. Il a dit nique-moi. Tu veux pas mourir? Ah non, pas son pote! Tiens, le pote. Cadeau, le pote. Tu connais pas le 1er mai? Le 1er mai, c'est la journée internationale du droit du travail. Où tu parlais de comment on joue. Je vais mourir! Attendez, je vais mourir! Non! Oh là là. En fait, c'est on fait un rappel de tous les gens qu'on a tapés, et ils sont tous méchants. Et nous, on a moins de vie parce qu'on est en mode photomatique. Donc voilà. La vie, la vraie. Tout ce qu'on apprécie. Donc on fait de l'optimisation de vie pour pouvoir avancer tranquille. Bon, alors du coup... En fait, il faudrait qu'on pense à qui on veut en dernier. En dernier, moi, je veux eux. Il y a moyen de les faire, mais le problème, c'est qu'en dernier, j'aurais plus de mage. À moins que je fasse tout sans les... Bon, on va commencer par là, hein. On va faire dans le sens organique du terme. Quand je dis organique, je parle de comment le jeu nous propose. Le jeu nous propose eux d'abord en premier, comme méchants. Donc on va faire ça. Normalement, je suis suffisamment bon pour les avoir tranquillement. Avec trois coups. Et sans rien faire. Eux, ils sont chiants. Mais je peux les stun. Eux, ils sont chiants et ils sont protégés. Voilà. Exactement dans le game que je n'aime pas. C'est-à-dire, quand ils sont pleins. Merci. J'attends juste que mon critique y revienne. Regardez-moi comment il me course là. Pars, pars. Pars. La protection. Voilà, la protection. Merci. La vie. La protection, je suis accorné, comme on dit. Je suis dans un coin. Wouhouhou! Oh, il se protège. Alors, Tunic, c'est un jeu où ça ressemble un peu à Zelda. Dans le style, c'est-à-dire t'as le même système épée bouclier. C'est tout mignon, tu es un renard. Par contre, c'est un peu Dark Souls dans le gameplay. Donc, comme t'as pu voir, on meurt, on laisse nos thunes à cet endroit-là. Et les gens sont de très haut niveau comparé à ce que tu joues. Donc t'as des petits désavantages comme ça. Et on prie, comme dans les Dark Souls, à des endroits. Oui, un Dark Souls Mims, en somme, exactement. Et on peut avoir, bien sûr, le masque Covid, pour dire, rappelez-vous. Mettez le masque. Et là, on est en train de jouer, je sais plus, on joue en mode un peu bourrinage, mais c'est très, il faut... Je roule un peu sur le jeu actuellement, et c'est le moment où je commence à avoir du mal, c'est face aux phases de boss. Phase de boss. Avec les bons S. Et par exemple, le Skeletor, là, il m'énerve. Donc, faudrait faire ça. Là, j'ai perdu plein de vie. Eux, ils m'énervent, mais je perds moins de vie. Et dans le sens du jeu, faudrait faire les Skeletors. Donc, on va faire les Skeletors. Là où... Ouais, bah oui, bah... Y'a pas que toi. Hein.
Et je suis dans une métropole. Donc ça c'est un peu l'enfer. On va faire les squelettes en premier, je crois. Les squelettes en pro... En fait, c'était bien le système de taper le gardien. Au moins, le gardien, on sait, tu vois, genre... qu'il est bourrin. Je suis la seule. Les gens, ils me regardent de travers quand ils me voient. Bah, ouais, mais c'est pas étonnant. Pas étonnant. Parce qu'ils sont... ils sont pas dans... Ils ont oublié qu'en fait, ça tue des gens, en fait, je crois. Et il faut faire attention quand même aux gens. Ouais, on va les taper eux parce que ils m'énervent vraiment. En plus je peux pas les taper avec le avec la magie parce qu'ils sont en fait ils sont pas si forts que ça. Et en magie en fait ils prennent moins cher parce qu'ils sont c'est des cadavres. En fait il y a vraiment que la grenade qui est bien avec eux. Bim! Bim! Grenade! Bim! Il y a le gros là? Non, pas encore. Grenade! Voilà, hop, il y a que le gros, magnifique. Le grand, le fort. Vas-y, viens, viens. Bim! Ah, ça c'était tranquille. Bah les batraciens, hein. Écoutez, on va faire les plus chiants en début, on va faire les multiples. Sachant qu'ils sont tous beaucoup, hein, donc... Et les batraciens, au moins, ils tournent en rond quand ils sont perdus. Et ça, c'est bien. Et ils ont pas de défense, aussi. Donc, pourquoi tu pars loin? Tout ça pour que tes potes y viennent. Je connais vos bails. Si j'arrive à me débarrasser de tous les petits qui se baladent, là, ça me va. Voilà. Et du coup, lui, là... Parce que les autres, ils sont plus lents. Donc ça, c'est bon. Ok, on a rien perdu. On va se protéger au cas où, quand même, avec un peu de la vie. Mais... Regardez, regardez! C'est magnifique, quand même. Hein. C'est là où on voit que le jeu est bien. C'est qui nous permet de... Le mec s'endort, tu vois. Il s'endort sur ses lauriers. Ah, t'es dans un camp paumé. Bah, moi, je te le dis dans le sens où... je suis dans une métropole. Et dans les métropoles, c'est pas la fête non plus. Sur ça. Est-ce que je ferais pas un peu de... Je prendrais pas du piment pour me booster un peu, histoire de les taper vénère. Parce que comme ça me permettrait d'éviter de les taper 15 fois. J'ai dû le taper 15 fois. Je suis heureux. Voilà. On attend. Pardon, j'ai dit un gros mot. C'était pas le bon terme non plus. Oh là là, ils sont tous en mode défense. Mais cassez-vous en fait. Oh, vous me bourrez. Regardez-moi ça là. Bon, le grand il est mort. Ok. Je sens même pas les coups tellement je suis bourrin, c'est un délire. Mais partez en fait. Je vous touche même pas depuis tout à l'heure. Mais quel enfer! Regardez-moi ces villes. Lui là, je vais te taper toi. C'est la lutte, hein. Mais pas la finale.
À Paris, j'en vois au moins un peu. Et quand tu en portes un, les gens te dévisagent pas comme si tu avais écrasé un chi leur chien. Oui, c'est vrai que c'est à Paris, les gens comprennent un peu. Mais parce que tu sors de. Tu vois, tu sors du RER, tu vois, entre guillemets, du métro, ce genre de truc-là. Ouais, de la vie. Donc là, eux, on peut les faire presque sans rien, normalement. Oh, le multiple qui m'a envoyé dans la gueule! Oh là 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 là, le coup! Le coup! Oh là 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 là. Ils sont en train de cadrer le truc. En fait, je vous aime vraiment pas, hein. Je vous l'ai dit ou pas? Alors, maintenant, je vous l'ai dit un peu pour au moins une partie de vous. Comment je les aime pas, ceux-là, en fait? Après, c'est du truc de zone, ils font rien d'autre que ça, donc c'est pas trop dérangeant, mais... Faut juste être patient avec eux. Tu es tout seul, que vas-tu faire? il nous reste les chiants et les pas beaux. Du coup, on va faire ça. Parce que eux, ils vont être chiants. On pourra en taper quelques-uns déjà, c'est pas mal. Mais c'est surtout, en fait, faut qu'on tourne. Parce qu'en fait, le début, faut vraiment qu'on tourne sur place pour pouvoir qu'ils se tapent tout seuls. Parce qu'en fait, ça, c'est beau quand même. Il faut apprécier cette beauté. Cette beauté du corps dronifien. C'est-à-dire qu'ils se tapent entre eux. Tapez-vous! Tapez-vous, vous faites quoi? Mais non, mais ça, c'était moi, ça! Ouah! Lol. Petite vie. Ah. Voilà, la vraie vie. J'adore cette technique, hein. Je sais pas si vous l'aimez bien, mais moi j'adore. C'est magnifique. C'est la meilleure des techniques. Est-ce qu'on va survivre à cette technique-là, par contre, ça c'est autre chose. Hop. Ça se tape. Ça se tape. C'est la technique anti-jeu. C'est mes meilleurs strats, hein. Les trucs anti-jeu. Allez, on va faire le symbole de l'infini. Voilà. Bonjour. La strat qui fonctionne tout le temps. Voilà. Bim, bim. Vous êtes deux. Allez, maintenant, combat. Allez, viens, viens. C'était trop dur. C'était trop dur. Et maintenant, il nous reste ceux qui sont vraiment chiants, en fait. Mais qu'on peut essayer d'avoir très facilement. Y a moyen. Et avec deux vies, c'est faisable. Quelle allonge! Tiens! Ah mais non! Ah, j'ai pas décidé de mourir maintenant, si ça vous dérange pas. Allez! Vite!
Non. Non. Pourquoi, à chaque fois, il me fait le tir dès le début? Il en restait que un. Je suis deg. En plus, il faut que j'aille aux toilettes. Vite, teuf. Histoire que... En plus, c'était faisable, quoi. On était bien. On était posé. Je passe aux toilettes, vite, teuf. Histoire que... Voilà. J'arrive. À tout de suite. Bon, on va faire la technique la plus longue de tous les temps, qui est... Est-ce qu'on peut aller acheter des trucs, là? Parce qu'en fait, on peut acheter des trucs. On est un peu blindé. Donc, on pourrait faire le flemmard, les flemmards tout le temps. Ah, il y a les flammes. Chose que j'ai pas acheté très peu. En fait, j'aimerais bien que ça spawn avec moi à un moment. Voilà, on va en racheter au cas où. On va acheter du mana. Le mana, le problème, c'est qu'on en utilise beaucoup, quoi. C'est bon, c'est tout. C'est quoi déjà la feuille? Alors ça c'est le manuel Millicott, je sais pas si tu... C'est ce qu'on récupère au fur et à mesure, qui permet de comprendre le jeu. Piment rouge, ah le lierre c'est le point d'énergie, ok. Parce que j'en ai besoin.
On a utilisé tous nos piments, par contre. Ça, c'est un peu chiant. Non, mais je pense qu'on est bien, là. Je remets la cam d'ici peu. Après, mon addiction... Oh, je suis deg. Tiré dans le dos, comme ça, là. Il a l'air clair, j'ai tout compris. Ouais, mais c'est ça, c'est très clair. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que... Apparemment, tu peux traduire après. Dans le futur de l'imparfait. Et il faut trouver les pages. Donc, pour avancer, pour savoir à peu près où tu peux aller et tout, c'est avec les pages. Et moi, je suis là, là, dans la cathédrale. Au niveau 13. Donc voilà, il y a 6 rounds avec tout le monde. Et il y a de la vie. En fait, moi j'ai une question d'ordre qui me vient. C'est est-ce que la vie reste sur le terrain quand on appelle quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est possible aussi? Donc par exemple, on va essayer de faire sans mana, sans rien, les deux gargouilles qui me cassent la tête là. Enfin, ils me cassent la tête, pas façon de parler. Hein. C'est eux qui m'ont tué. Là. Mais je me défends pas là pour ça, pour le retour de bâton. Voilà, ramène ton pote. Ramène ton pote. La vie. Il a quand même des attaques de vénère. Ah, mais la défense! Quelque chose! Regarde, la défense, on peut plus là. Oh là là. Heureusement que j'ai rien utilisé sur. En fait, il me met des coups critiques, donc c'est vénère un peu ce qui se passe. En fait, c'est ça que j'aime pas avec le gardien, c'est que tu prends un coup du gardien, t'as plus rien. Et en plus, tu peux te retrouver de dos avec eux. Parce que dans le jeu. Apparemment, se retrouver de dos, c'est rapide, quoi. C'est normal. On va le taper de dos pour voir s'il prend des critiques aussi. Non. Et la défense est morte. Il est un peu content, le machin, aussi, vous voyez. Bah oui. Il est content de me battre gratuitement. Sachant que le gardien, c'est vraiment celui que j'ai vraiment galéré. Avec autant de vie, j'ai réussi à taper vraiment le vénère. Et là, là j'y arrive plus. Parce que ça fait un moment et que je bourrine tout le monde. Donc du coup, voilà. On est un peu bloqué à terre. Un peu bloqué. Ce qui paraît normal. En même temps, je m'aide pas. Hein. Bon, vas-y, pars. Ah, mais il y a le truc du stun qui apparaît. Est-ce que vous avez vu? Le truc blanc, c'est le stun. Et là, il m'a rien touché. Magie. Bonjour! Vous ici? Je ne m'y attendais pas. Stun, 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 merci. Stun, stun. Là, il y avait plus rien. Là, il y avait plus rien, plus de défense, il y avait plus rien. On prend la vie. Et bah, bon après-midi, Minicot. Salut. Normalement, j'ai fini de le taper, lui. Et oui, normalement, ça devrait être. Ils sont pas très contents, mais ils sont. Normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, normalement. Alors, je vais remettre la cam, comme ça, c'est prêt.
Mais pourquoi ça coupe à chaque fois que je mets la cam là? Le retour OBS, il veut pas. Il coupe le son à chaque fois là. Bourre. Bon, alors, on va faire donc nos amis qui s'entretuent. Sans utiliser de mana. Alors, oublié par la technique, c'est courir. Voilà, ils vont se stack au milieu de toute façon, donc le but c'est qu'ils se défoncent entre eux. Presque. Oh. Il faut que je puisse me poser un peu pour prendre de la vie, s'il vous plaît. Ça vous dérange pas? Merci. Mais je sais pas qui tire dessus, c'est le problème. Qui me tire dessus? Vous voulez pas vous taper entre vous? Ah, merci. Allez, les deux derniers. Voilà. Donc, les moins chiants sont faits. On pourrait essayer de faire eux aussi comme ça. D'ailleurs, je vais prendre de la vie parce que ça se sent que ça va partir vite. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose là spécifiquement? Non. Parce que là, je vais perdre de la vie, hein, normalement. Je vais rester là. Pour en taper un au moins. Voilà, ça c'est fait. On se balade. Allez, encore un. Merci. Bah non. Bah non. Bah non. J'ai failli mourir. Là, ils sont en décalage. Oh là là, ils sont en décalage. Mais synchronisez-vous! C'est le premier et le dernier. Oh là là, quel enfer. Ok. Et là, il y a tous les plus chiants de la vie. Alors, du coup, nous, on voulait essayer de faire un truc qui était très simple. Stardir. On utilise la vie pour récupérer nos vies. Et laisser un peu de vide par terre. Donc, par exemple, si je fais ça. Je récupère directement. Ah oui, donc, du coup, la potion est au milieu. Dane. Donc on va essayer de prendre le minimum. Voilà. Hop. Et on va appeler les stacos. Ah, on peut pas, tant qu'on les a. Oh, tant qu'ils sont tous là, c'est pas possible. Donc les stacos, on avait dit le feu. On va utiliser le feu et les grenades. On va les one-shot. Hein. Vous inquiétez pas. Tiens, un cadeau.
Ça marche pas le feu sur vous? Ah, ça marche pas le feu sur vous! Quel enfer! Mais non, mais je suis pas d'accord, hein. Vous êtes trop. Oh là 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 là, ça tape. C'est la technique du blitz, hein. Ok. Du coup, les batraciens ou eux. On va faire les batraciens d'abord. Parce que. Au moins, ils peuvent se bloquer tout seuls. Ils ont pas de défense en plus. Le feu, ça marche. Et voilà. Et je pense que là, on a fini, parce qu'on a utilisé tout. On peut même utiliser, du coup, la magie. Et là, ça peut aller vite. Ouais, faut croiser les doigts quand même. Restons concentrés. Ah non, tiens, je veux pas te voir en fait. Pas. Fini. Ok, qu'est-ce que c'est que c'est? J'ai trouvé l'étoile de je sais pas quoi. La Triforce. Oh, trop bien! Un dash qui utilise mon truc. Ah, j'ai débloqué un dash. Lol. Et ça remonte. Et c'est mon endurance. Ok, magnifique. Mais suis-je enfermé? Oh, je peux sauter. Mais c'est beau. Bon, on a pris 40 minutes pour le faire. Ah, mais ça veut dire qu'on peut passer vraiment n'importe où maintenant. C'est génial. Quelle vie. On va pouvoir aller prier notre... Voilà. Je suis le héros mort. Me reconnais-tu? Faudra qu'on vienne aussi la sépulture de l'avatar, indeed. Je pouvais choisir peut-être, non? Ouais, je pense que je pouvais choisir. Mais j'ai pris ça. C'est de l'endurance? Je revis ou pas? Oui, je récupère mon endurance! La magie! Ah, faut que je ressorte du coup pour pouvoir récupérer tout le reste. Faut que j'aille récupérer tout. Ok. Faut que je retrouve toutes les sépultures de héros. Okidoki. Je ne me rappelle plus où c'est. Bon, là j'ai mon endurance. C'est déjà bien. Hein.
J'essaye de passer par là, mais... Ah, y a quelque chose à appuyer. De la thune. Ok, merci. Waouh, un nouveau chemin est ouvert. Waouh. Waouh. Et là, on sort totalement. C'est ça, l'histoire? Pas aller là-bas? Non. Voilà, je suis comme Naruto et Sengoku mélangés. On va n'importe où. C'est n'importe quoi. C'est par là où je m'invente une vie? Bah non, en fait, il y a un endroit où il y a le... Il y a moyen de descendre, c'est là. Ah, c'est là. Là, il y a moyen de monter. Et après, il y a moyen de descendre, je crois. Oh. Et en fait, après, on peut revenir ici. Et là-haut, il y avait un truc qu'on pouvait débloquer. Avec une page, je crois. Et j'avais dit, ouais, je sais pas comment on y va et tout. Il faut qu'on revienne aussi dans le monde. Parce qu'il y a un moment où on peut trouver, je pense, quelque chose. Voilà. Bonjour. Cathédrale fantôme. Oui, c'est bon. J'ai fait la cathédrale fantôme. Mais on va revenir en arrière. Tu as raison. Il nous manque un truc. Genre, la page là, déjà. Je prends. Très belle page. Donc ça, c'est sauvegarder les données. Ok. Ah, je peux faire ça? Je savais pas. C'est où que c'est? Ah oui, non, mais ça, c'est pour... Oui, c'est la page d'entrée. Ok. Bon, bah, c'était très bien. Mais on va retourner dans la cathédrale, puisque je crois qu'on peut maintenant débloquer quelque chose. N'a aucun sens à ce que je fais. C'est pas grave. On fait comme si j'avais tout compris. Faut pas me laisser ça. Pour moi, c'est un jeu, hein, vraiment, dans le... de dasher n'importe où. Voilà, on revient dans la cathédrale. C'est pas la cathédrale, ça? Ça, c'est le marchand. Au revoir, le marchand. Merci de m'avoir vendu des bombes. Toujours agréable. Non mais j'ai pas envie, pars. Non mais... Tu vois que j'ai pas envie de me taper avec toi. Tu vas pas me suivre jusqu'à l'intérieur. Donc là ici, il y a quelque chose normalement qu'on peut avoir et qu'on pouvait avoir normalement... quelque part, non? On prend pas la map, elle nous dit quelque chose. Elle nous dit, oui, figure-toi que y a moyen de faire quelque chose, 6-7 trucs nuches. Là. On est à 2. Ah, faut passer par 5 peut-être pour aller à 6. Bon, on va faire ça. Bonjour. Par ici, 5. Vous êtes sérieusement en train de me poursuivre? En fait, je vous aime pas. Hein. Et j'ai une couronne sur le crâne. You know? Ah, mais t'es toujours vivant, toi? Pars. Lui, il est plus vénère. Excuse-moi. Toi, t'es plus vénère, toi. Je vous sens énervé. Oh là là, la vie.
Oh, le poignardage! Mais t'es énervé, pourquoi tu vas vite comme moi? On veut juste aller à 6. Arrête d'accélérer. On peut aller accélérer, nous. Mais il est vraiment vénère. En plus, tu flashes, quoi. Qu'est-ce qui me passe? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, 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 tiens. Évite ça, évite ça, évite ça, évite ça, évite ça. Tiens, tiens, dodge, 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 dodge. Ah, on dodge plus, hein. Hein, quand on est contre le mur. Moi aussi, je peux pas dodger hein, quand je suis contre le mur. Je pense que c'est là-haut qu'il faut aller. Voilà, donc là, il y a quelque chose à faire. Ici, là, le 6? Je sais même pas. On est en haut du 6? On est pas loin du 6, en tout cas. Mais le 5, c'est où, alors? Je comprends rien, cette map. Pourquoi les deux travioles, là? Là, on est là. On est là. On est derrière, juste. Ok. Et là? Non. Est-ce que c'est ici? Parce qu'il y a un truc qui se passe ici, peut-être. Oui, là, on est presque dans le trou. Pas clair. Hein. Bon, il est censé y avoir un trou quelque part, mais je sais pas où. Pour aller au 7 et pour aller voir le de l'autre côté, mais... C'est pas très clair, la map. Est-ce que c'est là? C'est pas ça, la map. Non, là, on est toujours derrière le truc, ok. On va monter, hein, écoutez. J'essaye de trouver hein, les portes quelque part. Mais on n'est tellement pas passé dans ce côté-là. Là, on est derrière le 10, oui, parce que là, c'est là où on prit le truc. Bon, allez, partez, partez. Non, mais en fait, je veux vraiment que vous partez. Ah, vous venez quand même avec moi. Bah, si vous voulez venir avec moi, bah, venez avec moi. Donc là, on est passé par là. Ok. Et là, on revient ici. Ok. On les remet à zéro. Et ici, on est où, là, exactement? Parce qu'en fait, c'est ça qui est marrant. C'est qu'il est censé y avoir un trou quelque part, quand même. Je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas du tout. Alors là, on est où? On est dans le vide, ok, super, je suis content. Là où on peut monter, je suis sûr. Et le 8 est en dessous. Comment on fait pour arriver au 8? Il y a le 11. Il dit que c'est la descente ou c'est dans le trou noir? Je sais pas, moi. En tout cas, c'est pas là. Hein. Bon, il y a un truc qu'on a oublié quelque part hein, ici, hein, mais je sais pas quoi. Hein.
Peut-être dans la descente, c'est encore une technique à la Dark Souls, hein. Dans la descente du... Ah mais attends, il y a le bouton qu'on n'arrivait pas à allumer. Est-ce que le bouton est toujours actif ou pas? Vraiment pas. Mais arrêtez de foncer sur moi, j'ai rien fait. Voilà le bouton. Et quoi que ça a ouvert? Ça a ouvert quoi? Ah mais c'est l'appel du truc. Ok. Donc là si je descends. Donc là il doit y avoir un truc là dans ce fourre-tout d'ascenseur. Il y a rien. Il y a que dalle. Il y a une téléportation. Super. Définitivement pas content. J'appuie, hein. Je mâche. Oui, bon, il n'y a rien. Ok. J'ai appuyé sur le bouton. Je suis parti. Ok. Mais là, il y a un truc, hein. Pour le 8, j'ai pas compris. Mais c'est pas grave. On se barre. Je marre de rester ici. Donc faut retrouver toutes les statues du cadavre de notre de nous pour pouvoir revenir. Maintenant qu'on a le dash. Voilà qu'on est monté, non? Mais on tâte. Je n'apparais même pas sur le truc. Ça c'est fait. On la porte toujours pas. On va aller dans la grande forêt parce que la grande forêt, je sais où est le truc, je crois. On l'a fait plein de fois. Le cadavre de notre. Ah oui, par contre, est-ce qu'on peut y aller? Ça c'est une autre question. Attendez, on va d'abord se poser ici. Est-ce qu'on peut y aller? Ça c'est une autre question. Parce que vu qu'on est dans le monde automatique, on est un peu limité sur nos déplacements. Hein. On va tenter. Donc déjà on peut aller là. Super. Donc j'imagine que c'est la suite. Ah, une page. Bonjour, le marchand. Je peux prendre la page? J'ai eu cette page, moi. Conseil et indice. Le crabe. L'atoll en ruine. Ok. Les trois. Page 24. Point de contrôle morte. Page 24. Ancien cimetière, c'est bon. Porte dans les montagnes. Ok. La sépulture dans l'avatar. Sainte-Croix. Le dodo dans la maison. C'est mal imprimé, hein. La fée. Ah oui, parce que oui, il y a un endroit où on avait l'impression qu'il y avait une fée, mais on savait pas ce que c'était. C'était du côté de la plage. Et voilà. Donc du coup, nous, on va devoir aller à l'attaque. Donc l'attaque, c'est du côté de la forêt. C'est à côté de la flamme de la forêt. Bah, c'est exactement ce que je cherchais. C'est très bien. Je cherche l'attaque. On cherchera la vie plus tard, parce qu'on s'en fiche, en fait. De la vie. Nous. Ah oui, mais maintenant que c'est passé... Ah oui. Il y a des endroits quand même qui sont bloqués, mais on peut passer en sautant par là, j'imagine. Non, toujours pas. toujours pas. Toujours pas. Ok, donc là par exemple, en fait, on peut vraiment pas passer. C'est dead. Oui, c'est dead. Oh, c'est moins marrant. Bon, bah du coup, on va du côté de la montagne. J'imagine que c'est ça qu'il nous disait. Puis après, l'ancien cimetière, c'est porte dans les montagnes. Et on est déjà passé là-bas, non? Je sais même plus. C'est ça, la porte dans les montagnes?
Bon, bah là. Ça a l'air de toujours pas aller bien ici. J'imagine que c'est pas là. Hein. La porte de la montagne, c'est juste à côté, j'imagine. Je vais regarder la map aussi pour savoir est-ce qu'on peut repérer les sépultures. Voilà, donc on est passé de l'autre côté. Donc c'est par là. La map. Je sais combien. Je ne sais plus. La map. Voilà, donc on a fait tout. En fait, on était en bas là, ici. Là, il y a toujours le truc en bas. On peut essayer d'aller en bas. Moi, je pense qu'en bas, ça, il y a un truc intéressant à faire. Parce que de toute façon, du côté de la plage, il y a un truc. Qui n'est pas un caisse, qui n'est pas mon. Oh, vous pleurez. Bonjour. Vous avez pas d'argent pour mettre dans le puits? Moi non plus. On va aller chercher du côté du marchand. On va acheter plein d'argent et on va augmenter nos trucs. Hihihi. On va acheter plein d'argent. On va dépenser plein d'argent. Parce qu'il nous proposait au moins 2 pièces. Ah oui, c'est vrai que ici c'était comme ça. On a de la thune, hein. C'est pas comme si je fais pas ça au hasard. Hein. Bonjour. Chercher itinéraire doré. Ok, merci. Bah c'est exactement ce qu'on allait faire. On va aller du côté de la plage, là où c'est doré. Et il y a aussi du côté pas de l'atoll en... Oui, de l'atoll en ruine où on peut, à mon avis, passer parce que y a moyen. Maintenant, le puits, il est là-haut. 8. 8 quoi. C'est parce que j'ai 8 pièces? Non, j'ai pas 8 pièces. J'adore. Ça, j'adore. Donc maintenant, on va augmenter, je sais pas, on va être silencieux en plus. Bonjour. Je peux aller là, maintenant. Je peux faire l'aller-retour, ici. Et ça, c'est cool. Oui, c'était censé te représenter. Cathédrale, trésor incroyable. Laurier de l'avatar. Oui, je les ai. C'est bon. Là, la porte. Oui, bah, la porte, c'est pas tout de suite. Hein. Et là, je peux toujours pas y aller. Hein. Ah, bah si. Trop bien. Ah, il y a le Konami Code. Devant la porte, il faut faire l'économie code. Devant toutes les portes. Avec le... C'est trop bien. Attendez. Ça va, vous? On a vu une porte tout à l'heure. On va revenir tout de suite à la porte. Par là. Je sais plus où elle était, la porte, par contre. Je crois qu'elle est en bas. Ça servait uniquement à faire ça? Ok. C'est uniquement pour nous piéger, ça, encore. La porte, elle est... Je sais plus où elle est, la porte. Je sais plus où est la porte, mais on peut aller voir. Non, c'est pas là. Je vais encore me balader pendant 500 ans pour aller ouvrir toutes les portes, là. Sans faire le... Ah, il y a un truc aussi, et je crois qu'on peut... Si on se téléporte, il y a aussi un truc où on peut accéder par le laurier. Alors, attendez, on va checker par ça. Parce qu'en fait, logiquement, on peut se télétransporter dans la forêt. Si c'est pas obscurci. C'est la forêt ici? Je sais plus. On regarde dans la map. Et après, on fera le Konami Code sur toutes les portes. Là, c'est là où la map de télétransportation déjà? C'est là. C'est vers la fin, je crois. Oui, c'est ça. Donc là, si on se télétransporte ici, c'est... Bah, moi, j'aimerais bien aller au sanctuaire de l'Est, mais je suis pas sûr de pouvoir y arriver. La tente en ruine, c'est à gauche. Le jardin de l'Ouest, carrière. Nous, on veut aller...
Parce qu'en fait là c'est bien que ce soit ouvert, mais ça me sert à quelque chose ça, que ce soit ouvert ici. Ah peut-être pour revenir en arrière, parce qu'en fait je sais qu'on peut pas... Mais c'est pas ici que je voulais aller du tout. Et y a plus personne en plus, ils sont tous morts. Comme moi. Enfin, donc ça c'est du coup au milieu. Faut que je m'en rappelle. Ça c'est... pour aller voir la dame qui m'a tué. Et on veut pas y aller. Là on est dans le sanctuaire de l'Est, ok. Ah. Engin de siège, ok. Où j'aille le retaper? Is that serious? Est-ce qu'on tente d'aller le voir ou... Ça c'est parce que je l'ai... Non mais l'engin de siège, je l'ai tué. Il est mort. Oui, il est mort, l'engin de siège, c'est bon. Ils sont en train de pleurer sur le... J'aurais peut-être pas dû le taper en même temps, c'est vrai que ça paraît logique. Un petit peu de taper... Enfin, il était un peu fat, quoi. Et là, par là, en fait, on arrive du côté de la forêt. Et je crois qu'il y a, il y a un endroit où on peut se poser. Vu qu'il n'y a plus personne... Ah oui, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées, là. On prend un peu d'ici. On se pose là pour voir ce qui se passe. Je suis bloqué. Comment je suis rentré là? Ah mais il se va de sérieux ça? Je peux faire quoi là? Non. Ah mais je peux me télétransporter en haut en passant par là? Ah oui parce que c'était des marches c'est ça? Ok. Bon, ok, bon, c'est pas très intéressant. Là, c'est par où? La porte. La porte est ouverte. Elle était pas... non, elle était... C'est moi qui l'ai ouverte, je crois. Je sais plus. Oui, parce qu'en fait, c'est par là qu'on arrive tout à l'heure. Je crois, non, c'est pas ça. Ça, c'est le chemin doré, de toute façon. Oui, c'est ça. Donc là, on se balade dans le sanctuaire pour vérifier qu'on a bien tout pris, mais... En soi, il n'y a pas grand chose à prendre. Là, on arrive là où il y avait toutes les flammes. Là. Voilà. On peut pas aller là-bas. Qui était notre. Qui nous permettait. Ah, bonjour. La sépulture de l'avatar. Oui, je crois qu'il y en a une dans le coin. Là. Voilà. Ah! Tout ce que j'adore! Et la vie, non? Non? Vous auriez pu ne pas aussi popper, hein, ça aurait été bien. C'est vraiment tout pour m'embêter, hein, sur leur histoire. Oui, non mais je sais, je ne fais que passer. Donc là, il y a du people qui arrive. Je vais aller chercher mon truc. Hein. Venez. N'ayez pas peur. Ah oui, ça se dédouble, j'avais oublié. Quel enfer. Tout pour m'embêter. Hein.
Ah mais c'est pas... C'est pas ça que je voulais, moi. C'est le mana, ça. Mais on n'est pas loin. Ah, c'est la vie. Très 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 bien. Je veux, je veux. Toujours pas? Ok. Et c'est vrai que la sépulture de l'avatar, c'est le plus compliqué. Ça va être peut-être de derrière le... Là, on va aller du côté de la... la... Vous venez pas, hein. C'est bon, on a fait votre truc, là. Ça va être derrière le... Derrière la porte... Comment ça va être? Là où il y a tous les masques, là. Ça a l'air cool ici. Ah. Apparemment non. Apparemment non. Il faut qu'on ressorte, j'imagine. Ok. Bon, on a la vie, on a l'endurance. L'atoll en ruine, ça doit être le mana. Parce qu'on avait trouvé la dague. Donc on va faire ça. Allez, 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 allez. Ça veut dire que là, déjà, on peut faire les boss. Hein, déjà. Vu qu'on utilise très peu de mana finalement face au boss. À part quand je suis en déroute. Ah mais la tonne en ruine on peut pas y aller. Ok, et là on peut y aller hein. Non, c'est derrière hein. Donc là c'est la dame qui m'a tapé. Elle m'a mis dans cet état. On peut pas aller là non plus. Apparemment non. Bon bah au milieu. Et au milieu je sais plus où c'est. Ah mais non mais je voulais clairement pas revenir ici. Je mens tout de suite. Donc en fait le but c'est de la battre elle, j'imagine. Ok. Bah du coup ça sera pas maintenant. Hein. On va essayer de récupérer tout. Avant de la taper. Donc c'est pas au milieu, hein. Faut pas aller au milieu. Et là, normalement, c'est... Oui, ça peut être intéressant par là, parce que je crois qu'on peut faire quelque chose. Il y a moyen de faire un truc. Déjà, on va sauvegarder ici. Parce que je pense qu'on peut revenir aussi sur le... Parce que chose que j'ai essayé souvent de le faire, c'était de revenir en arrière. Là, par exemple, ça s'est pas activé, ça. Pourquoi c'est pas activé, ça? Je sais plus ce qui se passe, hein. Rien? Ok. Ah oui, non, puisque c'était juste à appuyer dessus. Bon, c'est bon. Et en fait, là, on peut revenir normalement en arrière. Voilà! Ah, ça y est, vous êtes réveillé. Si j'ai pas envie. Si j'ai juste pas envie. Oh là là, ça tape fort. Ah, je suis obligé de vous taper? Ou je peux me passer par là? Non? Je suis obligé de vous taper, ok. Oh là 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 là, le coup. Oh là là. Mais en même temps, j'étais pas prévenu. J'ai perdu toute ma thune du côté de la dame. J'aurais dû m'en douter quand j'ai vu les gens la dernière fois, j'ai bloqué dessus.
Et voilà. Parce qu'avant, je vous rappelais, c'était il y a moins de, il y a très peu de temps, mais j'avais fait déjà, j'étais passé devant et je me suis dit, bah, ça va pas, c'est marrant, lol. Et en fait, ils attaquent. Donc on va en réveiller un et on va le taper. Non mais je prends quand même le coup quoi. Je veux pas prendre le coup en fait. Voilà. Pourquoi il était chiant comme ça? Et là lui il prend, il est protégé direct. Tiens, 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 tiens. Regardez-moi ça! Mais je suis protégé en fait! Allez, voilà. Nique-moi. Nique-moi. Allez, monte. Voilà, hop. On passe en dessous. La vie, s'il te plaît. Pas où qu'on passe par contre. Hein. Je suis désolé, mais ah, oui, c'est vrai que le bâton était bien au début. C'est pas où qu'on passe. C'est là. Non, en fait, on n'est pas descendu pour faire genre. Excusez-moi, hein, mais non, mais c'est vraiment sérieux cette histoire. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, on est où déjà? On est dans la tour de lui. Mais en fait, y a rien. C'est ça qu'ils sont en train de me dire. Ah, mais non, c'est en haut. J'avais pas vu. Voilà. Donc là, normalement, c'est peut-être le mana. Parce que si on est dans le bon sens, normalement, c'est mana. Ouais, c'est mana. Donc, il manque l'atoll en ruine après. C'est là où on voit que j'ai augmenté mon mana de manière incroyable. Ah, ça a enlevé. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est ça, c'est quand je les ai tapés, ça a enlevé le truc. Ok, 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 ok. Excusez-moi, je n'avais pas capté. On va peut-être se booster aussi, hein. Je suis en train de me dire que... elle a l'air un peu bourrine, mais easy aussi à faire. Un peu patient dans le game, et ça devrait aller. Donc là, on fait un peu... objectif, on se prépare. Hein, pour la fin de ce passage. On va peut-être reprendre ici, hein. C'est pas bête. Et on va aller direction de l'atoll en ruine. Sauf que je pense que c'est pas ouvert, donc... Donc on va repasser par là. On check là où on en est. Ça, c'est assez bon. L'atoll en ruine, c'est l'endroit où c'était bloqué. Et la carrière, c'est l'endroit où j'ai pas débloqué. Donc, ça. Et ça explique tout. Ça, c'est pour les portes. Donc, on peut aller checker les portes, si on a envie.
C'est le bon moment, je pense. Le chemin doré, c'est là. Donc on pourrait descendre, en fait. Pour aller vers le domaine des batraciens. On peut faire ça, en fait, en soi. Hein. C'est pas très loin, je crois, d'ici. Mais y a plein de cartes que je me posais comme question. Et là, en fait, il disait qu'on pouvait dormir ici. De mémoire. Ah non. Bah, il y avait une sorte de petit dessin avec le dodo. Je vous montre, hein, parce que j'en parle, mais je l'ai vu. Dans la nouvelle page. C'était où? Il y avait un petit dessin sur la nouvelle page. Donc c'était pas cette page-là, ça devait être la page du début. Là. Là, ils disent la petite maison. On peut faire dodo. Donc là, ils disent, par exemple, on peut traduire là. Ça, c'est le début de la traduction. Et c'est pas cette maison-là, du coup, c'est l'autre. Celle qui est là. Ah, tiens. Alors. Oh, faut que j'aille re-aille aux toilettes. Je fais que boire, en fait, dans ma vie. Bas, droite, haut, gauche. Oh là là, je vais jamais m'en rappeler. Je note. Je suis désolé, hein, petite mémoire dans ma vie. Donc, bas, droite, haut, gauche, pack, pack. Est-ce qu'on a besoin d'aller vite, d'après vous? Oh, c'était appuyé, il se passe quoi? Au bas. En fait, c'est plus ou moins une sorte de. je sais pas, ça veut pas marcher. Ah oui, attendez, parce que je me trompe. Bas. Après, ils disent que je dois être en vert. Hein. Là, je suis pas mort, en fait. Bon, on va faire une pause. Je vais revenir vite fait après. Je fais une pause pour pouvoir qu'on fasse aussi un petit topo de comment ça se passe la manif, histoire qu'on regarde un peu ce qui se passe. Et on revient du coup pour la prochaine. Parce qu'on va couper la VOD ici. Au revoir YouTube, salut, salut. Ciao, bisous.